Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Let's Go Evoli. La dernière fois, nous avions obtenu le dernier badge à Jadiel contre Giovanni Panzani. Et donc ici, voilà, sans surprise, nous devons aller à la Ligue Pokémon. Et pour cela, on doit passer par la route Victoire. Donc voilà, je vais vous remettre un peu le topo de la map. Pour ceux pour un petit check-up, vous inquiétez pas, je sais que de nombreux joueurs connaissent. Donc voilà, en fait, on doit... Alors, je vais me pousser. On doit faire tout ça. Donc, on doit atteindre la route Victoire, en fait. Donc, pour l'instant, on a tout ça, la route 22. Et la route... ensuite, 23. Voilà. Donc, notre but dans cette vidéo, c'est pas d'aller à la Ligue. Hein, parce que, clairement... ça ferait une vidéo trop longue et que j'ai envie de faire la ligue en live si possible. Sinon, vous la verrez en vidéo. Mais à l'heure actuelle, on va faire en sorte d'arriver justement à la ligue Pokémon. Alors, attendez, pourquoi je peux aller par là-bas? Ah, tout ça pour une Pokéball. 5 Pokéballs, c'est parfait. Donc, normalement, il va y avoir des nouveaux Pokémon à capturer. Alors, j'ai été me renseigner pour avoir une team, pour qu'on fasse du PVP et tout. Le truc, c'est que putain, il faut me prendre avec les caractères, les... Oh, ça je l'ai pas. Faut prendre avec les... Comment dire, les timings... Enfin, les... pas les timings, les... Leur nature, voilà, leur timing, voilà, j'ai été troublé par ça. Et je crois que j'ai utilisé une hyperbole pour juste un Nidoran bas niveau. Très bas niveau même. J'ai utilisé... J'ai utilisé une hyperbole pour rien. Bah ouais, et ma fille elle rigole, elle se moque de moi et elle a bien raison. Elle a bien raison. Y'a pas une Pokéball ici? Putain, y'a rien, c'est un cul-de-sac. Hein? C'était quoi ce bruit? Oh, Piafabec. Piafabec, je t'avais oublié mon petit bec. Qu'est-ce qu'il y a? Elle rigole. Je crois qu'elle essaye de communiquer avec les chiens. Donc c'est pour ça, c'est assez marrant. Hé, Auron ! Qu'est-ce qu'il a ? Pshaw, j'ai réussi à te rattraper. Tu sais quoi, j'ai le badge terre. Je peux aller à la Ligue Pokémon maintenant. Il paraît qu'ils sont super forts au Conseil 4. Du coup, je stresse un peu, mais on peut pas y couper. Et toi, tu te sens prêt ? Montre-moi un peu où en est ton équipe avec un petit combat. C'est comme tu veux, mon pépère. C'est comme tu veux. Ishiku, le chien, veut se battre. Envoie un roux carnage. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que voilà, il veut se battre, voilà, et je suis... Franchement, s'il arrive avant moi à la ligue, je comprendrai pas. Je ne comprendrai absolument pas. C'est pas possible, on est parti devant, il nous rattrape. Donc il a eu par Blue. Il s'est fait Blue. Rafflesia. Ah oui, je vois ce que c'est bon. Je déteste ce Pokémon. Pour l'instant... Ouais, il est résistant son Rafflesia. Par contre, c'est bien, j'avais pas fait gaffe, on voit les mimiques du mec quand il dit « Tu l'attaques là-bas !» Oh, Evoli, tu veux pas faire un truc? Non, il veut pas. Il veut pas, ma poupette. Il veut pas se soigner de ça. Moi, je le finis à ça, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, là? T'as osé... Ishiku! T'as osé faire ça? Mais garde-les pour la ligue. En plus, c'était une grosse potion, hein, c'est pas une petite. Vas-y, si tu veux, si ça te fait plaisir. On va me soigner un petit peu. Pam, 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 pam. Aïe, Loulou la regarde. Du coup, là, il y a une conversation très épique. Elle est subjuguée par les chiens, c'est marrant à voir. Alors, qu'est-ce que t'envoies? Non, on va continuer.
Je vais pas lui montrer le reste de mes Pokémon. Le mec. Oh, badass. Et vous ne veut pas guérir du poison. Ça, c'est cool. Voilà, il veut pas que je m'inquiète. Il veut pas que je m'inquiète, le petit. Ça, c'est cool. C'est cool. Franchement. Et là, boum. Ça, c'est bien, mon Evoli. Ça, c'est bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait dans ce jeu-là. J'espère qu'il y aura quand même ce petit aspect de lien dans le prochain. Elle est contente. Alors, il m'envoie Raichu, normalement, c'est son Pokémon le plus badass. Dans le sens où... où il est résistant. Oh, il était plus résistant à l'époque, non? Ouais. Fatal Food, vas-y. Ouais, ouais, coup critique si tu veux. Ta la la la. Oh, on a la route de victoire. Ah la 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 la. C'est bon, KO. 66. De toute façon, maintenant on peut arriver jusqu'au niveau 100, on a tous les badges. Ah, mon petit Reptincel, c'est bien. J'y arriverai jamais, ma parole. Oui, tu y arriveras jamais. Tu sais, depuis qu'on est petit, j'ai toujours eu tendance à te couver à fond. Parce que je te voyais un peu comme mon petit frère. Mais t'es carrément meilleur que moi en Pokémon. Et parfois, ça me travaille un peu. Je crois que je découvre juste que j'aime pas la défaite. Bon, au moins, j'ai trouvé un truc dans lequel je m'applique à fond. Les Pokémon, c'est ma passion. Et je ne veux plus perdre de combat. Je sais que c'est un peu gamin comme réaction, mais ça te dérange si je passe en premier? Merci, j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux y arriver. Ah. Ah. Et oui, sans vouloir caresser les cheveux d'Ichiku. Ah, ah purée, j'hallucine, j'hallucine. Bon, en final, il est passé en premier. Donc, à mon avis... on risque en fait. Oui, je veux y aller parce que peut-être qu'il y a un Pokémon rare dedans, non? Un tétard ou pas, non? Papalala! Ah bah oui, regardez, il y en a un, effectivement. Pourquoi? Voilà, on va pas chercher midi 14h, on en a un qui est là. C'est un niveau 3 en plus, alors on va utiliser nos petites Pokéballs. Connard. J'ai l'impression d'être à la pêche, il manque plus que le petit lancer là. C'est pas ce qu'ils ont fait avec les trucs en carton là, à la con. Que je trouve con. Non, sérieusement. Vous trouvez pas ça? Mais franchement, les trucs en carton là, j'ai pas compris le système, mais bon. C'est pas trop grave. De toute façon, on peut se permettre de faire des petites captures. Hein. J'ai envie de vous dire qu'on est... On est bien. Alors, excusez-moi, je vais revenir. Alors, voilà les amis, on l'a capturé. Bon, ça donne pas beaucoup d'XP, mais bon, on l'a dans le Pokédex maintenant, on l'a capturé. Puisque c'est ma première capture hein, de Tétard. Et je crois que c'est même pas petit Tétard, hein, on a carrément l'évolution des Rattata. Ah, les premiers Pokémon. Bon, je pense de toute façon, on va pas traîner non plus ici. Hein. Je veux dire, voilà, je voulais juste tester. Parce que je dois vous dire qu'on a de la route, des cavernes, un légendaire à capturer. Eh oui. D'ailleurs, je crois savoir où est l'électrode. Il est dans la. Électrode, c'est l'électrode, je crois. Il est dans la centrale, je crois, qu'on peut aller le capturer si vous voulez. Bah, prochainement, en fait, j'aurais peut-être dû aller le capturer même. Bon, on ira peut-être après. Putain, il me saoule, là, tous ces petits trucs, là, à la con. Tous
tous ces petits trucs à la... Parce qu'en fait, là, on est que sur la route pour entrer, hein. Voilà, là, ça va être l'entrée. Ligue Pokémon, entrée principale. Voilà. Là, je sais pas s'il y a un truc à faire. On ne passe que sur présentation d'un badge rush. Oh, mais c'est le badge rush. Tu peux passer. En fait, on aurait pu venir bien avant. Mais bon, ça aurait été... La magie serait plus là. Route 23. Alors là, c'est un vrai labyrinthe, les amis. On ne passe que sur présentation du badge cascade. N'empêche, il doit en avoir une flopée dans les arènes, des badges comme ça. Putain. On est obligé en plus de... Tu peux pas contourner, tu sais. Si tu voudrais contourner, tu peux pas. 3 bananes dorées. Ok. D'ailleurs, je fais une petite save. Voilà. Là-bas, je vais voir s'il y a quelque chose. En fait, ils vous font espérer que vous pouvez contourner si jamais, tu vois. Mais en fait, non. Donc là, il y a déjà, ça commence. Là, ça a commencé. C'est le badge prise. Là, ça a commencé. J'ai vu un dresseur. Je peux vous dire que ça a commencé. C'est bon, c'est chaud. On y est. On y est. Déjà, je vais là. 3B nana dorée. Peut-être que je prendrai les Viator dans ma team dans le futur. Pour l'instant, on va garder cette team que j'ai pour la ligue. Normalement, on fait tout avec Evoli. C'est quoi? Je crois que c'est un Magikarp de toute façon. Si ça se trouve, ça, c'est un gardien qui est là pour... Ah, petit éther. Bon, on va le prendre. On va le prendre. Ah, merde! Pourquoi je dis merde? Bah, tout simplement parce qu'en fait, lui, il est plus gros que l'autre éther que j'ai voulu attraper, vous voyez. Son évolution est plus faible. Niveau 3 contre lui, 46. Quand même. Et du premier coup. Ça, c'est cool. En fait, plus vous allez attraper de Pokémon, du même type, de la même espèce, hein, et plus vous allez avoir la facilité de le capturer. Et ouais, bah oui. Mais là, pour l'instant, bah... Voilà, moi, au début, je savais pas ça. Ils te refont tout un machin. Donc, je crois que lui... On passe que sur présentation. Ah, mais c'est le badge âme. Ouais, en fait, moi, là, je pensais que c'était... que le mec allait nous chercher l'eau. Attention, hé. Il y a son évolution qui est là, justement. Plus poussée, je crois. Donc là, en fait, c'est juste pour passer, vous voyez, dans le... Après ça, je crois qu'il reste la grotte. Normalement, il y avait une grotte. Et normalement, il y a Sulfura dans cette grotte, justement. Donc, sauf s'ils ont changé le truc, parce que ça, je me souviens plus que c'était dans le jeu. Bah, quoi qu'il en coûte, on a le Tetart. Allez, ça monte d'XP, ça c'est bon. J'hésite, franchement, mon Reptacel, là, il est 38. 38. 28. Enfin, un peu de chasse là. Mais faut que je fasse gaffe parce que faut que j'ai des Pokéballs après. Ouais, mais c'est quoi ce lancer de fiotte? C'est un lancer de fiotte. Faut que je fasse gaffe parce que si je veux capturer Sulfura, c'est avec les ou le Norbal. Mais voilà. Oh, Reptincelle, il y est presque. Il y est... Si je passe 29, je lui donne des super bonbons. Bon, pour l'instant, pas de dresseur. Oh! Je l'ai pas, lui! Je l'ai pas, sérieux! Allez, notre coco. En plus, je veux pas dire, mais on l'a dans sa taille maxi. Alors, je vais essayer une bifrombie argentée. C'est pour me faciliter... Ah merde, salaud. Hey! Non mais oh! Bah, j'arrive mieux à gérer hein, le côté gauche et droit en fait. C'est tout facile. Non, t'avais pas le droit!
ça va faire full XP. Yeah. Surtout taille maxi. Normalement, là, ça va faire... Et c'est pareil, plus vous allez capturer le même type de Pokémon, plus vous allez gagner en XP, bien entendu. Allez, Draco monte au niveau 45. Fenard monte au niveau 55. Reptincelle au niveau 29. Reptincelle évolue. Ta-la-la-la-ta-la. Voilà, on a un Dracaufeu. Enfin, une Dracaufeun, je sais pas comment dire. Voilà, les données sont ajoutées. Et donc, logiquement, on peut équiper Cruel. Ça n'a pas de puissance, ça enlève que 40. Ça a quand même une belle puissance. Bon, écoutez, on va enlever Griffe. Alors maintenant, par contre, j'ai la gemme Cézanne et la Draconique. Comment on équipe ça sur un Pokémon? Attendez, je vais voir. Après, j'ai celle de Florizarre. C'est vrai que j'aurais pu garder Florizarre. Hein. Mais je préfère les dragons. Torrentnik, voilà, la Dracaufeu. Alors, la X ou la Y, c'est quoi le truc? Un méga gemme permet à Dracaufeu de méga évoluer durant un combat. Donc j'ai rien besoin de mettre, ça veut dire ça. Hein. Tant que je l'ai sur moi, ça marche comme ça, c'est ça. Bon, je crois. Oh, 9-9. C'est pareil, ça c'est des Pokémon que je déteste. Eh, sérieux. En fait, des fois, ça bug. Bah, je suis trop près de l'écran, alors du coup... t'aurais pu faire un effort et te capturer tout de suite, hein, comme les autres. Voilà, ça, c'est mieux. Bon, c'est pas beaucoup d'XP, mais bon. Au moins, on l'a capturé. On est à 90 Pokémon capturés. C'est qu'en fait, j'anticipe le... Bah, celui, je vais le reprendre. Parce qu'en fait, j'ai pas de trucs aussi puissants. Connard. Non, t'es con ou t'es con? Mais t'es con ou t'es con? Mais il est con ce truc de Pokéball! Oh putain, j'ai eu chaud là. Voilà. Non mais c'est vrai, je fais le truc. Putain. Autant tout à l'heure ça marchait nickel, autant là je fais la même chose. Bah dans le baba. Mais moi j'ai un niveau plus HL, vous voyez? Ah bon, en fait, c'est la première fois que je l'attrape, lui. Nidorina. C'est pour avoir un Nidoqueen. Ouais, c'est pour un Nidoqueen. Voilà, il doit être badass, le petit... mais c'est le badge volcan, blablabla, oui, vas-y. On a eu deux nouveaux Pokémon, je suis content de nous. Maintenant, je sais très bien qu'il y en aurait d'autres, mais de toute façon, comme je vous le dis, on va d'abord se concentrer sur l'histoire. Et ensuite, on fera tous les trucs annexes de Pokémon. Il n'y a pas de souci, que ce soit les captures. On va essayer d'attraper les 150 Pokémon. On n'aura pas les 151 pour la simple raison qu'il faut acheter leur fucking Pokéball. Et ça coûte la peau du cul. Donc, je n'ai pas envie. Clairement. Et là, on arrive à la route victoire, entrée principale. Et donc, normalement, dedans, il y a Sulfura, les amis. Donc, Sulfura. Donc, j'aurai Articodin, Sulfura. Et là, on est dans les cavernes que je déteste. Bon,
En fait, c'est con. Peut-être que j'ai fait une couille. Ça, je l'ai pas lu. Avant, ce qui était bien, c'est qu'on voyait si on l'avait capturé ou pas, en fait. Et là, je crois pas. Ou on l'a capturé, je sais plus. Allez, on attaque. Mais c'est vrai que... Ah, ben je, c'est vrai que je suis content d'arriver dans ça, cet endroit. Ah oui, lui, métamorphe. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas un Pokémon que j'adhère non plus. En fait, il y en a très peu. Alors les gens, ils se plaignent des designs, en fait, des nouveaux Pokémon. Mais il faut pas oublier que dans cette première génération... il y avait aussi, je veux dire, le des Pokémon assez ringards. Hein. Bon, c'est avec plus de logique. Oh, je crois qu'elle est tombée. On souffre tous de poison. Merde, il veut encore me brûler ce con. Ah mais le pire c'est qu'il va y arriver. Hein. Ah il est chaud le métamorphe là. Il est chaud. Badass. C'est le plus badass de tout le jeu. En même temps c'est mon Evoli hein, qu'on a affronté là. Quelle puissance, ouais bah, ça va, c'était limite quand même. Elle s'est re-retournée. 10 bonbons Evoli, ça c'est bon. Oh, il y a ce que je veux là. Ouais, c'est un Pokémon que je n'ai pas encore vu. Ensuite, normalement j'ai acheté des anti-brûles. On va les trier. Voilà. Et anti-brûle, c'est ça. Ok, maintenant je vais aller à ma bonbonnière. Normalement j'ai des bonbons Evoli. On en a 10. Ah, ça fait monter tous les stats de 10, c'est pas négligeable. Hein. Moi je vous le dis, c'est pas négligeable du tout. Je suis en train de le... En fait, on est en train de doper les Pokémon. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bah si, attendez, je pouvais encore. Ah non. Voilà, donc... Eh, hey, reviens ici, enfoiré. Mais reviens. Le mec qui se casse. Jamais vu un Pokémon aussi tarlouze. Mais quel connard. Genre, depuis quand tu sautes, toi? C'est vrai, depuis quand il s'est sauté? Bon, ça va être un gros épisode. Mais... Vous comprendrez l'ampleur du truc. Je pense qu'on arrêtera. Ouais, je sais pas si on arrêtera ou pas. Je pense qu'on capturera peut-être. Ouais, non, je sais pas. On verra.
Déjà, on verra si j'ai le temps, moi. Au pire, bah, je couperai l'épisode, on aura en deux parties. Par contre, là, je peux pas y aller, là, clairement. Clairement. On peut juste faire ça. Une pierre plante. Je crois qu'il faut que je ressorte, non? Est-ce que lui, on en a? Je ne sais plus. Je sais plus, mais par précaution, j'en capture un. Surtout qu'en plus, il est de... Bah, il est de ces niveaux-là. Puis moi, ça me fait des trucs. On a les évolutions. Oh, puis, comme je... Ah, 1000. Waouh. Waouh. Ah, la qualité du truc. Full XP, camarade. Oh, lui, je l'ai pas là-bas non plus. Je vais le capturer. Alors, j'en reprends un comme ça. Bah, en fait, pour avoir plein d'XP aussi... Il faut que, bien sûr, vous faites un excellent ou un joli ou des trucs comme ça et vous aurez plus d'XP. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Je tiens à le redire. Ouais, Draco Feu 37. Ça, c'est bien. Oh, le timing parfait. Perfectos. Ça, c'était du good timing. Ouais. C'était du good timing. Et est-ce que c'est la première fois que je le capture ou pas? Non, c'est la deuxième fois. Bon, c'est pas grave. Alors, par contre, je vais faire un truc. C'est que je crois que Rhino Bidule, là... C'est de type proche. Sol roche. Sol roche. Tente psy. On va essayer de se battre. Je couperai au montage, de toute façon, vous avez pas vu, mais je chercherai. En fait, je cherchais mon Ptera que j'ai perdu, j'ai mis 3 ans. Et donc là, on a changé de Pokémon, on a pris Rhino. Rhino Clorn ou Rhinocéros, je sais plus son nom. Mais voilà. Il est de type Sol Roche. Et j'essaie d'avoir un peu de. Un peu de tout. Maintenant, tu continues avec une Evo. Ça c'est bien. Florizarre est là. En fait, ça m'embête. J'aimerais bien avoir mon Florizarre aussi, mais il n'y a pas assez de place. De toute façon, Evoli, c'est sûr qu'il va, il va sauter à la fin après la ligue. Je le garde juste pour faire la ligue la première fois avec lui. On a démarré ensemble, on finit ensemble. Voilà, c'est un peu ma devise. Ensuite, il sera sur notre épaule, je pense. Enfin, j'espère. Mais voilà, en gros. Putain, il y a juste sa main qui m'a touché. En fait, j'aurais dû le garder pour le pousser et revenir si jamais je voulais. T'as l'air de savoir te battre. Je veux savoir. Ah bah vas-y, on va savoir. Alors lui, il nous envoie 3 trucs. Galopa. Ah, Galopa. Bon, je vais essayer de faire plusieurs teams. Allez hop, soyons fous. Et là, il envoie
Un amphiflore ? C'est quoi ça déjà, un amphiflore ? Ah oui, ça ! D'accord, oui. Je me souvenais plus. C'est moche. Allez, dégage. C'est vrai que j'ai pas trop de... Si, j'ai des Pokémon haut, non ? En fait, là, Evoli va faire la part des choses à la fin, mais... après, quand je vais bien avoir mon équipe, déjà, dès que j'aurai le dernier en liste de... Ah bah, c'est bien, tout le monde monte. Dès que j'aurai en liste mon dernier Pokémon à avoir, qui remplacera Evoli, on verra bien. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire lequel je prendrai. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est... En gros, là, il est en mode... Oh. Voilà, on a ouvert ça. Comment il a essayé de me taper ? Par contre, lui, je peux passer, je pense. Non, je peux pas passer, en fait. Alors, comme ça, tu cherches à défier le conseil 4 ? Oui, oui, oui. Je pense que, les amis, on va se quitter après ce combat. Ça fera la première partie. Parce que là, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas très efficace, mon attaque de brin, là. Celle-ci non plus d'ailleurs. C'est bien Evoli. Ah, il est au taquet. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans lui, n'empêche. Et on passe 67. Bah oui. On passe 67, et là, un Flagados, on continue. Alors, je crois que l'attaque fée, ça marche sur lui. Hein. Il me semble. Presque. On va en refaire une. Regarde l'écran, elle est trop admirative par les couleurs là. Trois Pokéballs. Ah bah j'avais... si, je l'avais vu. Bah écoutez les amis, on va se quitter ici pour cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Et portez-vous bien, bye bye.